bonne initiative de la part du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila Mbaka, ou une mauvaise initiative concernant bien évidemment l'opération Kin Bopeto, qui a pour objectif de rendre la ville de Kinshasa salubre. On en parle. Mais également, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu dans les tout prochains jours dans le Grand Équateur. Après sa tournée, bien évidemment, à l'espace Grand Kassai, le chef de l'État est attendu vraiment avec pompe dans le Grand Équateur. Est-ce, ça sera justement les constats amers, les constats dégoûtants établis au Grand Kassai que le chef de l'État fera au Grand Équateur. On en parle, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Bienvenue à votre cadre d'échange. Ngenesse Koloba, Lelo Tozali. Le 3 mars 2022, tout bétamasso nabiso, parce que cadre d'échange et ali cadre auto partage à Kanabino, ce n'est pas moi qui ai les monopoles. Il y a savoir, les monopoles, il y a compréhension par rapport, il y a un sujet dominant en République démocratique du Congo. On partage tant soit peu avec vous, fidèles internautes qui nous suivez de partout, d'ailleurs, à travers le monde. Tomekako analyser, justement, à question de l'heure dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Nengelasileki, qu'on annoncé bino na prélude, il y a émission, il y a Mokolo, il y a Lelo. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila Mbaka, Asili Kobenga, influenceur, grand P, bino nyonso bomonaka na ba réseaux sociaux, YouTube, dans toutes les plateformes, il y a les réseaux sociaux. Azali guinéen, cet influenceur, Aza déjà ici à Kinshasa, la capitale, mais également Edoxi, au bien se boyebi par rapport à sa taille mastodonte au Azalakana Yango, elle aussi est ici à Kinshasa, justement pour prendre part à cette tournée que Ngobila Gentili, le gouverneur de la ville de Kinshasa, a dénommé tournée Kin Bopeto. Kin Bopeto, et la kisi kin ezala kitoko, kin ezala salubre. Est-ce une bonne initiative de la part du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, ou une mauvaise initiative? On essaye maintenant d'analyser avec vous, très chers internautes de Congo Live Télévision. Vous le savez pertinemment bien, Gentili Ngobila a Silaki qui a lancé cette campagne, ce projet Kin Bopeto. C'était en 2019, en octobre 2019, que Gentili Ngobila a lancé avec pompe, parce que a Bengaki Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tomonaki Mokonzi Mboka, un tracteur Mokonzi Mboka, Oazali na souci, vraiment été Kinshasa, premièrement, est à la salubre et revêtir na robe d'aton na ango. A monaki initiative, voilà les aliki bien, ne ayaki a lansaki. Mais c'est un projet conçu par le gouverneur de la ville, Gentili Ngobila. De 2019, aujourd'hui, on est en 2023. 2019, 2020, 2021, 2022. 3 ans écoulés depuis que Gentili Ngobila lança l'opération Kin Bopeto. Est-ce qu'on peut se frotter le main, Mokolo ya Lelo? Est-ce qu'on peut dire, ouf, Gentili Ngobila a gagné son pari? Donc, Tokozala Mabe, Tokozala Lokuta, ce qui Lelo Tondimi. Parce que l'opération Kin Bopeto marche à pas de tortille. 3 ans après son lancement, Kin Ezali Nango Kaka Bopeto Te. Kin Ezali Bosoto Nano. Nano Kin. Et revêtir na robe d'attente na Nango Te. Aujourd'hui, Gentili Ngobila Mbaka fait appel aux influenceurs. Edoxi.
grand pays, Monaka. Qu'est-ce que ces influenceurs vont apporter? Parce qu'ils sont des influenceurs. Est-ce qu'ils arriveront à influencer les Kinois? Est-ce qu'ils arriveront à faire cela? Premièrement, on part dans l'optique que Kin Bopeto, qui veut dire tout simplement Kin Ekoma Salibre, Kin Ekoma Meilleur, Kin Ezala Aseni, gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, devrait, à notre humble avis, à l'avis des observateurs avertis, Gentili Ngobila devrait commencer par cette vaste campagne, même initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, le changement de mentalité. Le changement de mentalité. Et là, quand ils allaient poumon, et là, quand ils allaient capitale, centre, est-ce qu'aujourd'hui, avec Edoxy, avec Grand P, parce qu'ils sont à Kinshasa juste pour un bref séjour, de 2 au 5, ils vont repartir. Et puis, la tournée dans laquelle le gouverneur de la ville fait allusion, c'est une tournée où ils doivent se retrouver quelque part à Kinshasa, dans un espace pour livrer des concerts, pour parler. Est-ce que c'est ça vraiment la sensibilisation? Est-ce que c'est ça une tournée? Une tournée qui se résume par un concert dans un endroit précis. On se demande, monsieur le gouverneur, que fais-tu? Que fais-tu? Est-ce que cela va trouver solution à ton projet qui aujourd'hui, beaucoup, le président ad intérim, il y a UDPS à l'époque, Jean-Marc Aboun, initiera tourner na ba députés nationaux, mais également emboîté par les députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Oh, Baloba qui était, Kinshasa, la capitale, n'est pas gouvernée. Gentili Ngobila devrait partir. C'était la conclusion de la tournée, de la démarche menée par le député national à l'époque, Jean-Marc Aboun, à leur tête, Namu Panzoyo, Peter Kazadi, côté, il y a député provincial, la ville, il y a Kinshasa. On disait, il y avait des Kuluna. Kinshasa était insalubre au-delà du fait qu'il y avait lancement de ces vastes projets Kin Bopeto. Est-ce qu'on peut se frotter les mains? On ne peut pas se frotter les mains. Est-ce que ce que le Congolais, les Kinois sont en train de vivre, est-ce que gouverneur Yavil y a Kinshasa, Gentili Ngobila, à Monaka, est-ce que Gentili Ngobila, à Tambolaka, vraiment à Kinshasa, Yemoko personnellement, si on les demandait, monsieur le gouverneur, son excellence, faites-vous une auto-évaluation de votre projet Kin Bopeto? Au côté, combien sur 10? Mais c'est le gouverneur. Peut-être que vous êtes en train de suivre aussi cette mission. Vous allez nous répondre. Vous allez vous coter votre propre évaluation par rapport à Kin Bopeto. Le Congolais vous demande. Le Congolais vous exige de commencer, il ne faut pas trop parler. Les Congolais ont besoin des actions, particulièrement les Kinois. Entité Oyo Zali qu'on dirigeait. Entité Oyo Zali gouverneur. Kinois, Zali qu'on s'en a action. Il ne faut pas que. Kinois, c'est qu'on appelle un rappel historique. Batala Gentili Ngobila ou teki wapi Gentili Ngobila a gouverneur wapi Gentili Ngobila ça lui boye ça dit non, vous êtes présentement gouverneur de la ville de Kinshasa. Lorsque vous initiez des projets, il faut que ces projets se matérialisent et non que ces projets se restent comme un slogan que les gens parlent Kin Bopeto. Eh bon Kin Bopeto Kin Kitoko, Kin Aseni, Kin Elengi. Qui n'est-ce qu'il y a dans l'époque belge? Léopoldville.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comparer Kinshasa à Léopoldville? C'est le jour et la nuit. Mais c'est le gouverneur, vous avez le temps. Vous avez le temps de se ressaisir. Vous avez le temps de prendre conscience que vous ne travaillez pas pour vous seul. Vous travaillez pour cette population. Cette population a besoin de décisions réfléchies. Cette population a besoin des idées qui viennent dans vos forts intérieurs. Nous amenons aujourd'hui Edoxy. Est-ce que les Quinois seront influencés par rapport à cette taille mastodonte que représente Edoxy? Vous avez fait appel à Edoxy pour que nous soyons influencés par cette taille mastodonte. Vous avez appelé Grand P pour qu'il nous influence par rapport à sa façon de parler ou à sa taille. L'on se demande. Mais c'est le gouverneur. Aujourd'hui, Kin Bopeto, parce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors il y a lancement au Bengaki, Mokonzamboka, Aya Kouassine, un lancement à Kin Bopeto. Intelligent qu'il était, il savait que pour que ces projets soient effectifs, pour que ces projets récoltent les éloges, ça ne devrait pas se limiter au niveau de l'exécutif provincial ou exécutif national. Il faut étendre les champs. Étendre les champs, c'est-à-dire initier tout le monde. Comment initier tout le monde dans ces vastes projets? Nous allons initier tout le monde dans le cadre de cette campagne de changement des mentalités. Il faut que nous arrivions à changer nos mentalités. Aujourd'hui, Kinshasa est sale, plus sale qu'avant. Plus sale qu'avant, monsieur le gouverneur Gentil Ngobila. Plus sale qu'avant. Comment faire pour changer maintenant cet acte? Comment faire pour changer cette mentalité? La mentalité des Quinois. Lelo Moutolia. Allié le voici message non à Boaki Nandila. Ana agata mutuka ameli mai ya flacon à Boaki bouteille na boulevard. Mutazu fulu alongoli fulu akio Boaki na caniveau. Les rivières, nos rivières sont polluées aujourd'hui. Mutalongoli fulu na ye cantine na ndaku fulu talebele akio na rivière ou a déversé poubelle na kati ya rivière. Il faut attaquer, il faut commencer par là, attaquer cette mentalité. Cette mentalité détruite. Il faut commencer par là, faire appel à Edoxy, monsieur le gouverneur. On vous dit, ils vont influencer en quoi? En quoi ils vont influencer les Quinois? Bah congolais habia non ça va le roi gouverneur a bengi n'est pas influencé wana toi qui n'es tout comme la taille Edoxy tout comme on a de quoi grimper na espace bien déterminé oyo bakozala et puis on s'attendait à une tournée batambola même ça batoki ni bopeto basala nyonso ce qui ne sera pas le cas. Mais c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa Gentil Ngobila, il faut attaquer. Il faut attaquer place Oyo et que ça la déclic. Changeons nos mentalités. Changement de mentalité prôné par le chef de l'État. Chef de l'État a plutôt changé mentalité. Changeons nos mentalités pour que la ville de Kinshasa, au-delà du fait que les efforts financent tout, et ça l'a canalisé pour assainir, pour arranger, pour asphalter, pour réhabiliter. Ça doit s'accompagner avec une mentalité assise, une mentalité réfléchie. Aujourd'hui, les Quinois, ben, n'a pas ça au sensibiliser. Est-ce qu'il y a des sensibilisateurs?
Est-ce que nos comédiens, nos musiciens, c'est de là que vous devrez commencer. S'il s'agit d'utiliser le leader d'opinion, s'il s'agit d'utiliser d'influencer, commencez par nos leaders, le musicien congolais, des artistes, comédiens, les hommes de médias, par exemple. Utilisez cette cible, monsieur le gouverneur. Chaque jour, lorsque quelqu'un se réveille à la télé, à la radio, réseaux sociaux, qu'on voit des journalistes en train de sensibiliser, qu'on voit des comédiens, qu'on voit des artistes chanter Kin Bopeto. Cette sensibilisation fera de sorte que les gens arrivent au moins à changer leur mentalité. S'il y a vraiment une sensibilisation de masse, une sensibilisation intense de la population de cette opération Kin Bopeto. Mais c'est le gouverneur Gentil Ngobila, il y aura des résultats escomptés. Il y aura des résultats que vous vous attendez. Il y aura des résultats. Ce qui est cohabité, n'abenga Edoxi, il n'y aura pas de résultats avec Edoxi. Il n'y aura que cette taille-là que les Congolais ouvront grand leurs yeux juste pour voir la taille. Et rien, c'est tout. Pourtant, les changements de mentalité, on s'est dit, ce qui est dans l'amour qui est dans le temps, il faut brosser les bandes à terrasser parce qu'il y a d'autres personnes qui s'élèvent très tôt matin, au moins il y a une brosse. Abimi Libanda na terrasse na caniveau azo brosser. C'est quoi ça? Quelle mentalité? Mutazui azali ko sokola biloko ya ba sani na nda ko azui ba salité wana ayeko déverser ngona caniveau. C'est quoi cette mentalité? Amutameli mai azui ko pal abwaki a déverser na nzela. C'est quoi cette mentalité? C'est quoi cette mentalité? Moudazu foule ou encore bois qu'à la rivière. C'est quoi cette mentalité? C'est quoi cette mentalité? Moutou na boutou a fongo l'ifo sceptique nae a des versants à canifo. C'est quoi cette mentalité? Moutou moni na veni. Moi ba flak doué salami. Moi ba ostagnante salami. Habite. Nazo foule ou nangaï. C'est quoi cette mentalité? Gouvernement a joué à ce lieu de transit, il y a des déchets. A ce lieu de transit, il y a une montagne mobimba. Pour évacuer les déchets, il y a une évacuation. C'est quoi cette mentalité? Monsieur le gouverneur, Gentil Ngobila Mbaka, pour réussir ton pari de Kin Bopeto, monsieur le gouverneur, je vous prie, et les Kinois vous conjurent d'attaquer ce problème de mentalité. Parce que Congo, il faut qu'on change par des actions concrètes et non par des verbiages. Par des actions concrètes. Gouverneur, il faut qu'on change. Il y a Kin. Congolais, il y a Bandunu. Congolais, il y a Poto. Est-ce que vous ôtez maïele naïo, ôtez moussala naïo au service de la population, ôtez moussala naïo au service des intérêts mesquins? Non, nous avons besoin de l'éclosion, nous avons besoin du développement de ce pays. Les Congolais ont tant souffert, les Kinois ont tant souffert. Lorsque vous met, on vous place dans ma poste et à ma responsabilité, il ne faut pas te dire que non, je dois
mais servir et servir mes coéquipiers, servir mes amis. Non, vous êtes là pour servir la nation, pour servir la population, par des idées, par des réflexions, par des décisions réfléchies. Tout ce que tu as récemment en boule et bêtis. Les inondations et salami na Kinshasa la capitale. Bah, inondation terrible. Il y a eu des pertes en vies humaines. Il y a eu des dégâts énormes. Problème de l'urbanisation. Problème de canalisation. Il n'y a pas de canalisation. Que fait le gouvernorat provincial? Que fait le gouverneur de la ville de Kinshasa? Est-ce qu'il faudra toujours assister à la position de faiblesse ou bien il faut anticiper les événements, anticiper les catastrophes, anticiper les choses? Est-ce que le gouverneur, on peut se dire que non, notre gouverneur anticipe les choses? Aujourd'hui, il y a des caniveaux bouchés par-ci, par-là. Kinshasa sont mauvais. Tout le monde est là-haut. Tout le monde est là-haut. Tout le monde est là-haut. Kinshasa doit changer. Kinshasa ne doit pas être une ville de théâtre. Il ne faut pas théâtraliser les institutions. Il ne faut pas théâtraliser les choses ici à Kinshasa. Faisons des choses pour la nation. C'est bien beau d'appeler les influenceurs. Appeler les influenceurs n'a objectif nini. Ou bien à Bango. Ou bien nous à l'aéroport. Ou bien à Bango. Pour la passer à Nini. Pour la livrer concert. N'a pas à Maï. Kouna ba olongo la bilama. Ba tuwa ba bibi. Ça va. Ba kouaï na ba Maï. Ba deni na ba Maï. C'est le lien approprié. Pourquoi il n'y a pas de place à la maille? Parce qu'il n'y a pas de place à la maille. Il n'y a pas de place à la maille. Parce qu'il n'y a pas de place à la maille. Il faudra compter des communes. Même la commune, il y a une commune. Il y a Gombe, des communes. Et commune à Bosoto, à Gombe. Personne ne pouvait y croire. Lorsque je vous dis, monsieur le gouverneur, d'attaquer l'aspect des changements de mentalité. Est-ce que vous pouvez imaginer, mesdames et messieurs fidèles internautes, est-ce que vous pouvez imaginer que Bazu Corbeil, na boulevard, Batier Corbeil, pour nous avoir des déchets, Azoa Abouaka, na katia Corbeil, wana. Ce qui déchets, moi, nini, copal, moi, sachet, au bois, na Corbeil. Mais Moutou, à mon Corbeil, Zawana, au lieu de bois, ka sachet, à bois, ka déchets, na Corbeil. Non! La personne refuse. Azui déchets, à bois qui on a c'est à Corbeil. On a vu trop de déchets. Au bas, il y a Corbeil. Na Corbeil, il y a Momoko. Na poubelle, public, etc. Et l'homosalité. C'est une question de mentalité quand même. C'est là où il faudra attaquer. C'est là où il faudra lutter. C'est là où il faudra commencer. De changer ces mentalités que Moutouaïa Moni, ma poubelle publique, oui, aïe Azui, à bois qui n'a poubelle publique, ou les à bois canassé. Et Zalina Angonde, Kinshasa, et Rosala Kin Bopeto, mais c'est le gouverneur. Kin Bopeto, ça doit commencer par ça. Et puis, au combien on a influencé, on a doxy. Baya, na cadre tourisme, baye ba moni ki m'appelle biso. Ba sepeli na Kinshasa. Et non, ben na bango baya ne kote a kini bo soto, na kini bo soto ana, bango ba. Mon de Dieu, je rêve ou quoi? Bango ne baya sko, yo ba te, ba Congolais, bo zalabwe. Non, ce n'est pas ça. C'est avec nous, na bino. Ensemble, nous ferons de sorte que Kinshasa soit salubre, Kinshasa soit assaini. Mettez des moyens, ne détournez pas l'argent, mettez le moyen. Faites les contrôles, il y a des travaux,
initier les Congolais, appeler les Congolais au changement de mentalité. Prenez des leaders d'opinion, des artistes, musiciens, des comédiens, des journalistes, pour sensibiliser la population par rapport à ces projets qui est un projet salvateur, qui est un projet idéal pour Kinshasa de revêtir sa robe d'antan. C'est un bon projet. Mais on s'achemine lentement vers le premier mandat, la fin du premier mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gouverneur, vous devrez penser, le projet a été lancé en octobre 2019. 3 ans déjà. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Kinbopeto? Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir, les Kinois en particulier, peuvent retenir de Kinbopeto? Est-ce que c'est un pari gagné ou c'est un échec cuisant? C'est à vous de s'interroger, gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous qui sillonnez la ville, vous qui parcourez la ville jour et nuit, c'est à vous d'évaluer votre projet Kinbopeto. Est-ce que les Congolais aujourd'hui, les Kinois sont satisfaits de ce projet? Vous posez ce genre de questions, gouverneur de la ville. Ce n'est pas aux Kinois aujourd'hui. Parce que si les Kinois ouvrent leur gueule pour parler de Kinbopeto, ça sera un échec lamentable de votre part, gouverneur. Alors, il faut prendre conscience. Vous êtes là pour les Congolais. Vous êtes là pour les Kinois. Vous n'êtes pas là pour satisfaire vos intérêts mesquins. Vous n'êtes pas là pour satisfaire les intérêts de votre parti politique. Mais pour satisfaire le besoin de la population, pour servir la nation. Servez la nation avec conscience, avec amour, avec ses sens patriotiques. Isaïe Loko, Otozali Kosenganayo, le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'amour, servir la nation, servir ton pays avec amour, poser des actions concrètes et non rester dans des verbiages, et non rester dans des discours qui ne s'accompagnent pas avec des actes. Monsieur le gouverneur, si vous tapez ce que Talika va placer au Wana, Kinshasa, et que comme vraiment Kin la belle, et que vous allez Kinbopeto, et non Lelo, ce que Kinanzelobi, Ndeko, Kinshasa Bopeto, vous allez Bosoto, Kinshasa Bosoto, Kinshasa Bopeto, Kinshasa Bosoto, Kinshasa Bosoto. Nous voulons que ces termes par vous utilisés dans le cadre de ces projets, Kinshasa Bopeto, soient réellement définis comme tels. Et non que ça change. Kinshasa Bopeto doit rester Kinshasa Bopeto. Et non Kinshasa Bosoto. C'est ça notre conseil. J'espère que les personnes aussi qui nous suivent à ce net moment, Bakoluka, vraiment, partager, puis ça peut en temps vers moi, mais sûrement, mesdames et messieurs, vers la fin de cette tranche consacrée à l'échange entre Monsieur Maxime et vous, les internautes qui nous suivez de partout à travers le monde. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est entendu dans les tout prochains jours, dans la province ou dans l'espace Grand Équateur. Le chef de l'État, Ndenge Bosile Koyeba, était à Zalaki, premièrement, dans l'espace Grand Kassai, à Tambola Kimbujimai, Kananga, Chikapa. Le chef de l'État, personnellement, il s'est rendu compte qu'il y a un grand travail à fournir, un grand travail à faire à l'espace Grand Kassai. C'était vraiment un constat amer, un constat désolant par rapport aux infrastructures au niveau de l'espace Grand Kassai. Il a palpé la réalité en main. Il a palpé seul la réalité. La situation des différentes villes de l'espace Grand Kassai, Mbujimayi, Kananga, Chikapa, Sankuru, tout consort. Le chef de l'État est attendu présentement à l'espace Grand Équateur. Et ça sera le même cas. Le constat amer fait à l'espace Grand Kassai,
Et ce sera le même constat ou bien plus davantage au Yerusalem, l'espace grand équateur. C'est la question que nous nous posons. Le chef de l'État, il a l'amour de ce pays. Il faut qu'il continue de la sorte. Tout doit changer. Tout doit changer dans ces pays. Tout doit changer dans les bons. Tout doit changer pour l'amélioration des conditions de vie des populations, des Kinois et Kinois, des Congolaises et Congolais. Le chef de l'État, Azali attendu, Nagro d'Équateur, comme vous le savez, il a initié ces vastes projets également du développement à la base de 145 territoires du pays. Donc, cette tournée que le chef de l'État, Roussala, d'espace Grand Équateur, ça va lui donner encore davantage des éléments subséquents, des éléments nécessaires, des éléments pour que la République démocratique du Congo, dans tous les quatre coins, dans les différents coins et recoins de la République démocratique du Congo, soit construit. Donc le chef de l'État est attendu, il y a la mobilisation tous azimuts, l'espace grand d'Équateur pour attendre le chef de l'État. Il est attendu. Nous attendons également avec impatience qu'est-ce que le chef de l'État retrouvera à l'espace grand Équateur. Quel sera le constat que le chef de l'État fera au grand Équateur? Et ça sera un constat amer, plus qu'amer, fait à l'espace Grand Kassai, ou bien ça sera un constat réduisant de la situation à l'espace Grand Équateur. Donc, les programmes sont fixés. Pour continuer ces débats, pour parler la situation de la Grande Équateur, parce qu'il y a déjà des mobilisations de part et d'autre. Il y a des mobilisations de part et d'autre. Comment faire pour accueillir le chef de l'État dans l'espace Grand Équateur? Donc, nous attendons avec patience, parce que le chef de l'État vraiment est attendu dans les tout prochains jours dans la Grande Équateur. Donc, on sera ici avec vous pour continuer les analyses, faire des analyses sur la situation qui prévaut au Grand Équateur pour l'arrivée, les séjours du chef de l'État à l'espace Grand Équateur. Mesdames et messieurs, Nedeb Sabino, que ces cadres, ce n'est pas moi qui ai le monopole du savoir, moi qui ai le monopole de l'information. On partage avec vous le sujet. Est-ce mauvais ou bien tes alim alam? C'est à vous aussi de contribuer, c'est à vous aussi de parler, c'est à vous aussi de donner vos opinions, de donner vos suggestions par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Tozoa quittant, Yakolobana Binomakam Itali, Kinbopeto, avec l'arrivée ici à Kinshasa des dossiers Grand P, appelés par Gentil Ngobila. Est-ce qu'ils allaient initiative Yamala Moto Yamabe? Binope Boyoki, Binope Bokopesa. Bokopesa banalise Abino, et puis Tokozonga, pour continuer avec les séjours du chef de l'État à l'espace Grand Équateur, parce qu'il est vraiment attendu, il a la mobilisation tous azimuts. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ces cadres d'échange qui a été réalisé par leur roi, qui a été réalisé par leur maître, le maître de maître. Il s'agit de Joe Mukenga qui était derrière la caméra. Je vous retrouve demain pour un autre numéro pour parler Congo. Portez-vous bien, le programme continue sur votre chaîne. Au revoir.